Coucou tout le monde, je suis très très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté. Ça fait déjà au moins 3 semaines, puisque ça fait 3 semaines que je suis en vacances. Donc j'ai pas du tout eu l'occasion, on était en famille, voilà. J'avoue, j'ai pas pris le temps du tout de filmer. Mais pourtant, j'ai plein plein de choses à vous montrer. Donc là, j'ai pris 5 minutes pour vous montrer. Je suis allée à Emmaüs, mercredi. Donc aujourd'hui on est vendredi, mercredi, et j'ai trouvé quelques petites bricolettes assez sympas. Donc je vais vous les montrer tout de suite, comme ça me permet de les laver, ça me permet de ranger et pas de stocker pour vous les montrer. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, avec moi vous commencez à avoir l'habitude, c'est que j'adore les chaussures et que chez Emmaüs je retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là j'ai trouvé cette petite paire-ci de sandalettes qui sont pas très très hautes. Voilà, et elles ont un petit liseré argenté. Elles sont pas du tout abîmées. Je vais les nettoyer. C'est pareil, la semelle pas abîmée, le talon non plus, pas trop haute. Elles sont bleu marine. Elles sont super bien. Et c'est quoi comme marque? Grand Boulevard. Donc je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Mais écoutez, avec un petit jean, moi je sais que ça me va très très bien. Avec le petit zip derrière. Donc voilà. Donc c'est sympa, et elles m'ont coûté, alors je ne sais pas si vous allez le voir ici, ça m'a coûté 2 euros pour cette paire de chaussures. Donc très content. Ensuite j'ai trouvé une autre paire de chaussures, mais un petit peu plus bizarre, mais moi j'adore. Je les ai d'ailleurs portées, j'aime beaucoup. Donc ça fait comme un sabot, donc là c'est comme du bois en fait, et c'est de la marque, qu'est-ce que je vous montre bien, comme ça. De la marque André, donc quand même c'est de la bonne chaussure. Voilà, donc marron. Là on peut les desserrer comme on le souhaite, et je trouve que ça fait super bien. Pareil avec un jean, j'aime beaucoup ce petit côté un peu sabot. Elles sont très agréables à porter. Voilà, elles ont des semelles quand même antidérapantes. C'est pareil, elles sont pas du tout, du tout, du tout abîmées. Et celles-ci, je les ai payées 1 euro de plus. Je les ai payées, alors vous n'allez pas le voir, c'est juste écrit là. Je les ai payées 3 euros. Mais voilà, elles ne sont pas du tout, du tout abîmées. J'étais trop contente de cette trouvaille. Ensuite, dans ce Emmaüs-là, ils font des ventes spéciales. Ils appellent ça grande marque, dès que c'est une marque un petit peu plus chère, j'ai envie de dire. Donc, je me suis trouvée et j'étais très contente. Donc, ça va être une robe de la marque Zara. Donc, voilà, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, vous l'avez en grand. Donc, elle est un petit peu resserrée ici en haut et elle s'évase vers le bas. Elle arrive juste au-dessus du genou. Voilà, avec des. Ouais, ça fait des petits ronds, voilà, de toutes les couleurs. Je la trouve très jolie, très printanière, très légère à porter, je trouve. Et vous voyez là, voilà, vous avez le prix, c'est 5 euros. Mais bon, voilà, c'est une Zara, elle fait neuve, hein, pareil. Elle est vraiment nickel. Donc j'étais bien contente. Donc ça va partir à laver. Ensuite, j'ai trouvé une petite blouse, pareil, donc je l'ai payée 5 euros de la marque Molly Bracken. Vous voyez, j'ai mon petit 5. Voilà, c'est un petit haut tout transparent avec des petits cœurs, une petite manche bouffante, le petit nœud au milieu et qui se resserre à la taille. Avec un petit top noir dessous, pardon, je trouvais super, super mimi. Donc voilà, le dos pareil. Moi j'aime bien, c'est fluide. Le soir, ça fait un petit peu plus habillé, c'est sympa. Donc voilà pour celui-ci. Après, j'ai trouvé que des hauts en fait. J'ai pris un autre petit haut de la marque Pull&Bear. Hop, voilà, je l'ai payé. Alors attendez, toc. 4 euros. Voilà. Donc c'est une petite chemise. Petite chemise blouse, je dirais. Voilà. Donc elle est rose. Oui, vous voyez vraiment ça. Voilà. Elle a plein de petits boutons comme ceci. Alors moi, il ne va pas trop bien faire focus. Je vais essayer de vous le faire
mais c'est pas gagné. Voilà, des petits boutons argentés comme ça. Et c'est pareil, c'est un petit peu resserré sur le bas. Bon, c'est pas du tout repassé, hein, puisque je vais les mettre à laver. Donc voilà, ça j'aime bien aussi. Donc voici pour celui-ci. Et enfin, ma dernière trouvaille, hein, c'est une toute petite vidéo, mais je voulais vous la faire comme ça. Moi, ça me permet de laver et de ranger. C'est un petit haut Bréal. Ah oui, et puis ma fille en avait pris une robe. Non, je ne l'ai pas pris avec moi. Je n'ai pas pensé. De la marque Bréal. Et je l'ai payé. Non, celui-ci, c'est juste la taille. J'ai dû payer 2,50 celui-ci. Voilà, de la marque Bréal. Un petit haut petit pois. Donc, il est bleu marine. Voilà, ça passe toujours. Moi, j'en ai plein, des petits hauts comme ça. C'est toujours très, très sympa à porter. C'est frais. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Elle a été très, très courte, mais je préférais vous montrer tout de suite ce que j'avais trouvé. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté et c'est vrai que ça m'embêtait un peu. J'ai d'autres vidéos à faire, mais il faut juste que je trouve le temps de vous les mettre. Donc, il y aura déjà celle-ci. Pour patienter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire si ça vous dit. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !